Salut à tous et à toutes, c'est Tom et Xiang. Aujourd'hui, on va tester un jeu qui s'appelle Out Shadown. Un jeu survival, angélique, zombie, battle royale, flippant sa race. Il y a déjà des chiens en face, t'es prêt? Et on est en pleine vidéo découverte, donc je rappelle que découverte... Attends, on se fait shooter déjà. On se fait shooter par des joueurs, là. Dans la maison rouge, à 330. Des vidéos découvertes, ça veut dire vidéo... Ok, j'ai... C'est bon, je l'ai eu. Il en reste un, il en reste un. Je le vois là-bas, à 330. J'ai touché. Il est parti vers 15. On va le hunt. Donc vidéo découverte qui veut dire one cut, one cut. Ça veut dire que je ne me fais pas de montage en fait, c'est vraiment pour vous découvrir. Et moi même je suis débutant. Il est là, viens Champ. Fais gaffe, recule, recule, recule. Je sais pas, s'il a mis une sorte de piège. Putain, je fais le tour. Enfin si je peux faire le tour. Non, je peux pas faire le tour. J'arrive, j'arrive. Fais gaffe, il va profiter qu'on recharge pour venir. Tu sais qu'il va venir derrière nous. Ça tire aussi à 135 derrière nous encore. Là-haut, là-haut. Recule, 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 recule. C'est bon, je l'ai eu, il est mort. Donc, je disais quoi? ça commence dur déjà, c'est la première fois que je vois du PVP en première partie comme ça. Donc je suis niveau 11, Xiang est niveau 2 ou 3. On a acheté le jeu aujourd'hui, on est tombé en love. Donc vidéo découverte, je vais vous montrer un peu le jeu. Donc là on est sur le mode de jeu classique qui est sorti depuis que le jeu est en version bêta. Donc c'est du par duo. Le but est de retrouver un boss ou deux selon la map. De le tuer, de le bannir de ce monde, de prendre une sorte de item qu'il a sur lui et de s'extraire, voilà. Il y a un deuxième mode qui est sorti en décembre dernier, c'est du multijoueur en équipe solo. Et en fait il s'agit de capturer 4 tailles. Ouais c'est des joueurs. Ouais c'est des joueurs, viens. On le rush pas. Ouais, oh, ils sont séparés, je crois. Je les contourne. Ah ouais, ils sont là pour la orbe. Ils sont là, il y a un truc à ramasser par terre là. Oh bien sûr qu'ils sont là. Attends, il faut la prendre. Je prends le risque. Voilà, je l'ai vu, on se casse. Peut-être qu'on va pas se casser là-bas. Donc du coup, il y a un système de leveling qui est niveau 98, je crois, 99 maximum. Plus vous montez, plus vous débloquez des armes que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi acheter des chasseurs qui ont des caractéristiques différentes en fait. Vous pouvez les monter en niveau, vous pouvez leur monter leurs compétences, changer les armes, acheter des armes, acheter des consommables comme du TNT, etc. Tire pas. Et bien sûr l'utiliser. Vous voyez, par exemple, là j'ai des médics, j'ai des dynamites, tout ça je peux l'utiliser. Vous pouvez le ramasser durant la map, vous pouvez revendre ce matériel. Donc vous gagnez de l'expérience, vous gagnez de l'argent. Il y a du monde devant. Viens, traverse, viens, traverse. Et bien sûr, c'est assez intense, hein. Donc, c'est pas basé sur des...
ouvre-toi. Hein. Alors soit on recule et on les prend bien, t'as bien raison. Viens, viens, on recule, on les prend à droite là. Oh merde, putain, il y a des chiens partout. Putain, on va se faire... Je suis en train de saigner, couvre-moi. Je vais me soigner, couvre-moi. Fais gaffe, accroupis-toi, accroupis-toi. Recule, recule, quand t'as... Recule. Ah putain, ils sont où ces bâtards? Je l'ai eu, j'en ai eu un. Fais gaffe, il y a le deuxième. Je recule, je recule. Ouais, faut reculer. On va les prendre de plus loin, faut pas qu'ils risquent. Je vois le cadavre de son pote, donc lui doit pas être très loin. Il y a des maisons en ruine là. Je vais essayer de me cacher dedans, voir. Aïe, ils sont tous les deux morts. Ils sont tous les deux morts. J'ai dû le tuer avec la dynamite tout à l'heure. J'ai lancé une dynamite par-dessus la colline. Oh, désolé, j'ai pris tout l'argent. Donc voilà, donc là, c'est la première fois. Là, j'ai fait 4 kills, on a fait 4 kills avec Xiang. C'est la première fois que ça nous arrive. Peut-être qu'on respire des fonds. Il avait un sniper. Je l'ai pris, hein. Il avait un autre arme là. Par contre, je sais pas au niveau munitions. Niveau munitions, par contre, c'est pas top. Hein. J'avais plus de munitions sur l'autre. Quoique, non, même pas, non. Je vais le reprendre. Monte un peu le sniper. Je sais même pas comment utiliser le sniper. Bref. Il y a deux joueurs. Ah ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez immersif en fait, et à la base c'est pas vraiment du gros PVP corps à corps, mais bon là apparemment on y arrive, on a du succès. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas, pour la vidéo, c'est fait que du contenu. Alors, donc je vous déconseille d'aller dans l'eau, des fois il y a des gros kraken, des gros monstres, ah, c'est assez marrant, ils mettent des canards, ça fait un peu de joie et de bonne humeur dans ce jeu, morbide. Donc vous avez la possibilité de jouer la nuit ou la jour, c'est assez aléatoire je crois. C'est quoi ce putain de bruit? Ouais, joueur, joueur! Devant nous! Il est mort, je me cache, j'ai plus de vie! Il y a un monstre! Il faut que je me guérisse, viens, faut que je me cache! Là, il y a de la vie là! Ah, je me casse, viens, on se casse! Je sais pas ce que c'est, mais je me casse! C'est bon, il est retourné dans sa caverne. Et là, faut que je me cache. Je sais pas, j'arrive pas à voir ma vie. Il m'a fait peur. Il m'a fait trop peur. Non, oui, bien joué. Champion. 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 Attends, par contre, il s'est tué quelqu'un. Et j'aimerais prendre son loot. Et j'ai pas de mission. Vogel, Vogel, Vogel. Ah, je me suis guéri, ouais. J'ai fait un fast machin, là. 50$. J'aimerais bien qu'on aille là-dedans, là. C'est dangereux, peut-être, non? Il y a des larves par terre. Cours. Il est mort, il est mort, il est mort. Il y en a... Putain, il y en a un autre gros là. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles, chiant. Attends.
Ah ouais, mais j'ai plus de balles du tout en fait. Il me reste des couteaux. Il me reste des couteaux. J'ai rien à foutre de ça. Il me reste. Bah, il faut quoi? Il m'aurait. On loot. On est pas loin de l'araignée, Popette, hein. Ouais. Putain. Bah, en fait, quand je fouille les joueurs, ils me donnent que de l'argent. 50 dollars à chaque fois. Mais d'habitude, il y a des caisses de munitions, en fait. Ah, mais ils donnent ça, mais moi, je m'en fous de ça. Ah, là, là. Ah, bah, t'as... Nickel, je crois que j'ai fait le plein de munitions. Alors faut faire gaffe parce que l'araignée doit pas être très loin, je crois. Ouais, j'ai un peu de munitions, hein. J'ai pas grand chose, hein, pas te mentir. Parce que là, franchement, s'il y a une araignée. Bah, du coup, il faut trouver le troisième, on a trouvé deux. On a trouvé trois. Ah, y'en a. Y'a un truc juste à côté de nous là. Ouais, je vais essayer de le prendre. On saura où est-ce qu'est l'araignée après. Ah, nice, elle est loin. Tu la vois? Elle est un petit peu loin. Mais bon, de toute façon, c'est le but du jeu, donc... Ouais, je vais vraiment utiliser... Je vais vraiment utiliser. J'ai utilisé mon couteau maintenant si jamais il y a des petits zombies qui sont devant nous. Pour économiser ma. Parce que là va falloir qu'on ait besoin de munitions. Là. Je sais pas combien il y a de joueurs. On en a tué 5. Lampe torche, ça s'appelle. Non, attends, lampe torche, lampe torche. Lampe torche. Voilà. Il y a des chiens à droite, fais gaffe, fais gaffe. Oh putain! Si, 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 nous a vu! C'est bon, il est mort. Attends, je vais voir s'il n'y a pas des munitions là-bas. Kuchi. Viens, l'araignée est là-bas. Stresser ce jeu. Ah, poignarder. Ah bah non. Non, j'ai évité. Il y a des pièges à loups là. Il y a trois. Bah c'est des pièges en fait, c'est que si tu marches dessus, tu étais blessé et immobilisé, non, théoriquement. Ah, il y a un joueur devant nous. Je le prends à gauche, je le contourne à gauche. Je l'ai touché une balle. Hein. Il m'a lancé TNT, ils sont deux. Il a touché. C'est bon, j'en ai eu un. J'en ai tué un. L'autre il est dans les fougères, à 105. J'ai touché, j'ai plus de balles. Il me reste que des couteaux. Ouais, il est là, vas-y. Ah, c'est moi. Il est parti où? Il est là, je le vois. Je suis mort, vas-y, tue-le dans l'eau. Non, tu l'as tué? Ok, revive me, s'il te plaît. Parce qu'on peut revive ses potes, en fait. Merci, Sean. Ouais, dans l'eau, ouais. Y'a un zombie. Non, c'est bon, j'ai tué. Ouais. Par contre, attends, faut que je me guérisse. Ah là, faut qu'on loot, on va pas tuer l'araignée comme ça, hein.
Bah on va looter et puis on va prendre notre temps. Je sais pas combien il reste de joueurs. Ouais, il est mort dans l'eau, je pense pas. Là, j'ai vraiment plus de balles. Hein. Il me reste 4 couteaux. Il est mort juste là, normalement. Il est mort là, mais... Là, là! Ouais, cool, il a des balles. Il a un petit peu de balles. Et toi, t'as des balles? Moi, j'en ai... 22. Et l'autre, il est mort. L'autre côté, l'autre, il est mort là, normalement. C'est tout, putain, il avait que 5, il avait d'autres munitions. Ah ouais, pas mal, c'est bon, j'ai pas mal, j'ai 40 balles là de pistolet. Non, c'est le mien celui-là, enfin c'est le mien. Donc on a fait 2, 4, 6, on a fait 7 kills. C'est vraiment une très bonne partie, hein. Ah bah j'ai, d'accord, j'ai plus de... Attends, 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 un problème là. Il m'a donné un... Tu m'as pas donné la bonne arme. Voilà. On va chasser l'araignée. Elle est là-haut, je pense. Il me reste... non, j'ai plus de soins, je crois. Mais j'ai de la vie, hein, mais j'ai plus beaucoup de soins. Avec l'araignée, va falloir lui mettre des trucs de feu, ouais. Voilà. Vas-y, viens m'aider, tire, tire, tire. Bah, t'es sur moi. Ah oui, il va falloir que tu stick me, hein. Là. Mais pourquoi il tire pas mon... Regarde le toit, regarde le toit aussi. Faut regarder le toit. Attends, viens, viens, regarde, on va prendre ça, là. Là, elle a peur du feu, prends-en un. Tu fais clic droit, et après clic gauche pour l'éclater par terre. Elle a peur du feu, elle craint le feu. Voilà. Évite de me brûler la prochaine fois, et appuie sur E. Elle est en train de cramer, mais nous aussi. On lui a enlevé la moitié quasiment là. Je l'ai vu. Allez, sur le toit là. Sur le toit, regarde le toit. Ah, t'es empoisonné. Et on va essayer de trouver des soins. Bah là, il y a des munitions déjà. Allez, au-dessus de ta tête. Attends, j'essaie de me sauver. Ah putain, je suis en train de cramer. Elle est en train de me tuer, elle est en train de me tuer. C'est des putains de zombies. Bah il essaie de me tuer. J'ai plus de vie. Putain. Cours, faut trouver des soins. Y'a pas de soins. Mais on sort, sinon on sort. Hein. On sort et on va trouver des soins ailleurs. On vient plus tard. On vient demain, les gars. Après, j'espère. Tu vois, mais attends, peut-être que sa vie revient. Non, ah non, c'est bon. Tiens, y'a des soins là. Tiens, regarde, y'a des. Le mieux, c'est de la brûler, faut qu'on la brûle. Là, regarde, il y a un baril jaune, là, on peut tirer dessus, peut-être. Ouais, ouais, regarde, il y a un baril jaune, là. Vas-y, faut qu'on la tire. Petit, petit, petit. Tu l'as vu? Attends, on va y être. Bien joué. Je suis en train de brûler, sa grand. Attends, je brûle. Je brûle souvent. C'est... au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête. C'est bon, on l'a eu. Bon, je crois qu'elle est morte, non? Non, encore une balle. Encore une balle. C'est bon.
Voilà, maintenant il faut qu'on protège les lieux maintenant. Ouais, j'aurais bien aimé chercher des pièges à loups. On n'a pas de pièges à loups. Dans munitions, ça va, j'ai ce qu'il faut, mais. C'est au niveau des. Mais bon, je pense qu'on a tué tout le monde, hein. Je sais pas combien il y a de joueurs. Ah oui, oui, oui. Donc là, maintenant, faut attendre. Hein. Donc, vous voyez, ce jeu est assez intense. Hein. Enfin, moi, je trouve ça. On a des belles levels. On a réussi à faire 7 kills. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un très très beau palmarès. Ça arrive, t'entends? Ah non, c'est ça. Non, c'est l'araignée qui commence à. Ça fait des convulsions, je pense. Elle est poilue, hein. Elle a des poils. Hein. C'est toi qui marche là? Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Ouais, ça marche. Ça marche en dessous de nous, je crois. Il est en dessous. Ah bon? Non, 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 on est en hauteur là. J'entends qu'il est en train de marcher. Après, je sais pas si c'est un effet sonore du jeu. Parce qu'on a tellement tué de joueurs. Bah, je pense que si on aurait tué tous les joueurs, peut-être qu'on aurait fini la game en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y aurait pas vraiment d'utilité. Après, c'est vrai que le but, c'est de s'extraire, mais... C'est bon, elle est bientôt finie de pétrifier, là. On va prendre le truc, et après, on va essayer de s'extraire. Par contre, je suis jamais arrivé à ce stade-là du jeu. Je sais vraiment pas comment ça se passe. C'est bon, elle est sèche, là. Elle est sèche. Vas-y, essaye de prendre. Essaye d'en prendre, vas-y, on va voir. Je sais pas comment ça se passe. Ah, l'extraction, elle est là-bas. T'as réussi à prendre quelque chose? Bah. Allez, viens, on y va. L'extraction, elle est là-bas. Bah là, maintenant, faut survivre des zombies, maintenant. Elle est là-bas. Oh putain, viens, 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 on va là-bas, on va là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il est mort, il est mort. Non, faut s'en sortir vivant maintenant. Il est mort, il est mort. Ah bon, bah vas-y, arrêtons, c'est bon. Allez, on se casse. Putain, un top 1. On a fait un top 1 avec quelques heures de jeu. Bon, les puristes diront, oh, c'est facile. Pas du tout. Bas les couilles. Je veux mon top 1. Je veux mon top 1. Comment on s'extrait là? Comment on s'extrait?
Ah non, putain, c'est pas là l'extraction. Putain, je suis con, moi. Tiens, c'est là-bas. Ouais, bah oui, moi je voyais un truc rouge, je me suis dit, ouais, putain, faut coller. Bah en fait, pas du tout. En fait, non, il faut marcher encore un petit peu. Même beaucoup, même. Oh putain, il y a l'eau en plus. Ah, mais c'est. Ah, maintenant, il y a des canards. Il y aurait eu le kraken, les canards, ils auraient pas été là. C'est bon, j'ai réussi à survivre. Par contre, il faut. T'es où? Ah non, mais c'est moi, je vais de l'autre côté là. Il y a deux extractions. Tu t'attends? Putain, j'ai peur tout seul là. Par contre, faut qu'on fasse. Faut faire attention, peut-être qu'il y a encore des joueurs. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais tu peux marcher dans l'eau, c'est bon, il y a personne. Dépêche-toi, s'il te plaît. Roule ton putain de cul! Allez, viens. Il fait nuit, on voit rien. Il y a des gens chelous. Il y a des zombies partout. Et bah c'est une sacrée vidéo découverte. J'en suis très fier. Ça mérite des pouces bleus et des abonnements. Ou sinon je vous tutelle, je vais pratiquer un peu mes couteaux. Vas-y, parce que plus tu tues, plus t'as des points. Puis là, vu qu'on a à peu près gagné. Non, non, pas encore. On va arriver dans pas longtemps. Elle va être jolie cette map. J'imagine avec un bon soleil, des touristes thaïlandais. Tiens, là, il y a un truc là. C'est ça, je sais. Derrière toi. Je sais pas. On n'est pas près d'arriver. Hein. Ah, un petit bloc texture. Ah putain, j'ai cru que c'était un joueur. Tu m'as fait peur. Dégagez les corbeaux là. Allez, tout droit. J'essaie de contourner un peu parce que ce serait vraiment con de mourir si proche du but. Voilà. Un petit bloc texte. Et voilà, extraction. Bon, ça, je suis habitué avec Escape from Tarkov. Et voilà. Messieurs, dames, nous avons fait un petit top 1 pour cette vidéo découverte. J'espère que ça vous a bien plu. On va faire un petit tour, on va voir un peu. Voilà. Jusqu'à la mort, les mecs, jusqu'à la mort. On va voir un peu ce que j'ai gagné au niveau expérience, parce que on a quand même fait 7 kills. Je sais pas si c'est beaucoup dans ce jeu, mais je pense que on a éradiqué toute la map. Et du coup, moi ce que j'en dis, c'est que ce jeu est magnifique, il est intense, on est vraiment dans l'ambiance glauque, extrêmement glauque. Donc je sais que la version jour existe, et franchement je vous le recommande, hein. Il est vraiment génial, hein. C'est vraiment un superbe jeu, comme ma chaîne YouTube finalement. Hein. Donc je vous invite à m'abonner, à vous abonner, à partager, à parler de moi autour de vous, à mettre des petits pouces bleus, et puis voilà. Est-ce que je vous dis ou pas? Ah, je suis passé niveau 12. Chasseur, tuer 7.
ça mérite un screenshot. Voilà. Donc, je vous remercie à tous. Merci à Xiangting de m'avoir accompagné durant cette vidéo découverte. Vous les allez voir de plus en plus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, partagez, blabla, tsukwa bliet. Banzai.